Univers Ski, acteur du ski, du sport et du territoire. Donc c'est un super stade, c'est un gros stade qui a pas grand chose à envier aux grandes installations de type Rupolding, Oberhof en Allemagne. Donc nous c'est vrai qu'on a un super petit entraînement, c'est un bel endroit, moi j'ai passé beaucoup de temps ici donc je suis très content. Et après il y a 2-3 petits détails encore à améliorer sur des toutes petites portions de piste, mais le stade est parfait, l'investissement a été énorme et c'est vraiment un super outil pour nous pour s'entraîner. On peut faire des simulations de course, on a tout ce qu'on retrouve sur les compétitions d'hiver ici, notamment pour l'été, donc c'est super intéressant pour nous. Il y a tout, il y a un bon pas de tir, il y a de la montée, de la descente, du plat. Donc pour nous c'est un super terrain de jeu et ouais le stade a été très bien fait. Après on a aussi la chance d'avoir un stand couvert juste au-dessus, donc on peut tirer abrité. Donc je pense que là vraiment tout est réuni pour avoir une très bonne pratique du biathlon sur ce stade. Le massif, il est prêt pour ses champions, il est prêt pour les accompagner de la meilleure façon possible. Donc à côté du stade d'entraînement de Chauxneuve pour le combiné nordique, nous avons ici pour le biathlon un équipement extraordinaire parce qu'il faut aller loin en Allemagne pour trouver en Europe un équipement de ce niveau, de cette dimension, de cette modernité. Le pas de tir là qu'on a là, c'est un pas de tir qui retrouve sur les Coupes du Monde. Et c'est vrai qu'en France, on n'avait pas d'équipement de ce niveau-là. Donc tout de suite, dans les premiers tours, on va dire l'été dernier sur une partie, et là, depuis quelques jours sur la totalité, bien sûr qu'ils trouvent ça génial et que tout le monde dit que c'est un outil assez incroyable. Alors bien sûr, autour de 4 millions d'euros, on dit toujours que c'est beaucoup d'argent, mais avec tout ce qui a été fait, 4 millions d'euros, ça a été quand même très optimisé et très opérationnel en direction de l'entraînement. Pour moi, c'est une super opportunité parce que j'ai un outil de travail idéal qui se perfectionne d'année en année parce que ça fait déjà quelques temps que les TUF existent, mais alors là, ils ont vraiment agrandi les infrastructures et c'est vraiment super pour moi de profiter de ça à 2 pas ou 3 pas de chez moi. Nous aurons bien sûr le plaisir d'accueillir les équipes de France, mais aussi des équipes internationales qui viendront se préparer, s'entraîner. Donc c'est une vraie fierté pour le Jura. Pour avoir fait et été sur plusieurs stades d'entraînement, notamment en Allemagne, en Norvège ou quoi, je crois que voilà, on n'a plus rien à leur envier aujourd'hui avec un stade comme celui-ci.